Salut à tous, ici Mister Freeze. Donc on continue le scénario de Sion, qui je vous rappelle a été envoyé dans les cieux juste après son dernier combat à la Tour des Braves par son Jade. Voilà. Donc là on se rend. En fait j'avais juste quitté la ville pour sauvegarder quoi. On va se rendre au palais. Donc ici vous trouverez trois races, les Danans. C'est eux. Les sirènes et les reptiles. Voilà, donc trois races qui étaient censées être disparues depuis longtemps, mais qui existent en fait bel et bien. Donc tous les coffres rouges peuvent être ouvertes. Putain, faut que j'apprenne à parler quand même. Ouvertes grâce au jet de Sion. Alors ça se voit parce qu'il a un ruban rouge. Donc. Voilà. Enfin, ça n'a aucun rapport, mais. Et là, un petit passage. Clac. Passage secret. En accessoire. Donc un accessoire qu'on va mettre à la turque. Hein. Hop. Qui protège du yin ou du yang, je sais plus. Je vais vous dire ça. Putain, qu'est-ce que je fous là? Alors. Ouais, voilà. Il protège du yin. Et on continue. Voilà, on va quitter le palais. Donc en fait ici on est au palais de. Comme vous allez voir. Ah merde, ouais, c'est pas marqué. Donc je vais rien vous dire en fait. Donc là notre but c'est bien évidemment de redescendre sur Terre. Donc pour l'instant on sait pas comment. Et sinon il y a Ramirez qui a perdu son dirigeable volé par les voleurs. Et justement. Et voilà. J'augmente le son parce que je trouve qu'il est dépassé fort. Donc Sult, si vous vous rappelez pas, c'est celui qu'on a vu au début du jeu. Qui voulait libérer Abiliger, qui est le Rudra des géants, pour faire prospérer sa race. Parce que c'est un géant, Sult. Voilà. Et donc là, comme c'est le seul endroit où on va aller à la montagne. Et j'ai appris quelques nouvelles magies, alors... je me trompe pas, voilà, Rudora. Donc de... attendez, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait. C'est un dauphin, ça. Une attaque de Yang. Donc quoi aussi, Riku. Du Deskuja. Donc Riku qui est... un perso important de Kingdom Hearts. Parce que c'est censé faire, mais bon. Alors ces ennemis sont très chiants parce qu'ils s'enfuient parfois. Alors ça c'est moi qui ai réussi à le faire. Cherchez pas, ça veut rien dire. En fait j'ai appuyé sur toutes les touches pour la déconne parce que je me faisais chier et ça a fait ça. Donc c'est un truc qui peut tuer instantanément en fait. Donc, du coup ça fait quoi? Ah d'accord, en fait ça baisse la défense. Donc arigato, qui veut dire merci en japonais. Ah merde, on n'a pas le temps de le voir. On n'a pas le temps de le remercier. Donc voilà, on va donc à la montagne. La montagne Jigmund. Et elle est bloquée. Voilà, douce. Scellée par la magie des sirènes. Voilà, là on en apprend un peu plus. Voilà. Donc ici en fait il y a un train comment dire, un train aquatique, un train aérien. Voilà, un train aérien. Donc qui permet de voler d'une île aérienne à l'autre. Donc puisqu'on est dans les cieux, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Donc c'est con. Le train il se déplace tout simplement dans l'air comme ça. Sans rail, sans rien. Bon c'est RNH, hein. Je cherchais pas de la logique. Donc voilà, lui on va le remercier cette fois.
fouille. C'est de la merde. Hein. Non, c'est pas de la merde, c'est juste que voilà, ça a deux matchs de foot, donc ça sera utile bientôt contre un boss. Et là, j'ai fait Pikeni. Alors pourquoi Pikeni? Bah, parce qu'il nous avait. Enfin, il m'avait dit. Ça serait une bonne idée de faire le Hoaxmaker en. Voilà. Version magique. Donc je me suis dit, bah, je vais commencer par lui, hein, parce que c'est lui qui l'a demandé. Donc non, Pikeni, ton attaque, c'est pas ta merde. Et voilà, c'est une attaque de Yang, et c'est utile que contre les ennemis multipline. Alors je sais plus à quoi correspond Yin et Yang, si c'est lequel est ténèbres et lequel est lumière en fait. Voilà. Donc vous voyez, autant ils s'enfuient et ils font chier, autant ils donnent beaucoup d'expérience quand on les bat. Voilà. Et sinon ils peuvent nous faire perdre du temps hein, s'ils s'enfuient tous. Et là, si on revient à la ville, un donnant. Nous dit, voilà, que Sult, donc le géant qui voulait refaire prospérer la race des géants, est revenu. Ici. Donc bien sûr on va aller le voir, mais pas tout de suite. Déjà, hop. Non. Je ne sauvegarde pas en pleine vidéo parce qu'après si je la loupe, je vais plus recommencer tout le jeu. Voilà. Et on retourne au palais. Voilà. Cette fois on va passer par en haut là. Pour arriver au trône. Non pas le toilette. Non c'est pas drôle. Et voilà Sult. D'ailleurs, je vous rappelle que. Ouais, voilà. Lui, on lui a coupé le. Comment, le bras. Et lui, il nous a. Enfin, injecté le jet dans l'œil, en fait. Et Rostam et Yu, je vous rappelle, on les a vus au tout début. D'ailleurs, Yu, vous vous rappelez, dans le scénario de Silent, on a eu le choix entre deux corps, il y en a un, c'est le corps de Yu, justement. Parce que c'était des corps de mort, on peut voir celui de Yu. Et l'autre, c'était le corps de Rostam, d'ailleurs, je crois. Quoique, je me rappelle plus. Vous vous rappelez, on a eu le choix entre un corps de guerrier et un corps de mage. Voilà. Mais il s'est resté sage. Voilà, tour de l'horloge Garal, une de frais, temple des Danans, une de Glam et temple de Mayura. Donc vous inquiétez pas. Hein, y a pas moyen de se perdre parce qu'on n'a pas trop le choix en fait. On est obligé d'y aller sinon ça avance pas. Donc là il nous dit comment y aller. Et là après on essaie de quitter le palais. Ouais, un peu étrange. Les crânes parlent depuis. Thank you.
Vous devez vous dire qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, et donc il doit se passer quelque chose sur Terre. Voilà, la nuit est tombée. Donc là, peut-être que vous emmêlez un peu les pinceaux, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas trop moyen de se perdre. Donc je vais retourner. Voilà. On devait aller au train. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, mais avant là, avant que la nuit tombe, si on prenait le train, ça nous faisait une visite de la région en fait. Donc le train traversait toute la région pour nous montrer les différentes îles, etc. Et là, il rêve de son passé. You et Rostam justement. Et là en haut on voit Thalès qui était bah, le maître de Sion, le premier à avoir réussi le défi de la tour d'épreuve. Je sais pas si vous vous rappelez. Il ne servait pas à grand chose en fait, mais juste voilà, histoire de me montrer. Parce que vu qu'il a revu Sult, ça a dû lui rappeler un peu ses amis et tout. Donc. Et regardez par la fenêtre, un gros truc de pierre. Donc c'est normal si vous comprenez pas tout ce qu'il dit, hein, puisque c'est du charabia, hein, c'est du danan. Parce que danan c'est des sages. Donc si vous comprenez pas ce qu'ils disent, c'est normal. Alors. Voilà. Donc là on va partir par là. Et nous, bah, on est obligé de le vaincre hein, si on veut continuer notre voyage. Donc voilà, Badol. Et voilà un boss. Alors, là, je l'ai gardé pour les soins en fait. Et sinon, bah, sachez qu'il craint la foudre. C'est cette magie qui va nous servir le plus. Alors, il n'est pas du tout sensible au coup en fait, comme vous avez remarqué. Puisque bah, il est en terre, donc les attaques de terre ne lui font quasiment rien. Et les coups ne lui font pas grand chose. Par contre, il a une vitesse pas très puissante. Et il ne craint pas le vent non plus. Hein. Voilà, brûlez-le à coup d'attaque de foudre. Vous gardez un soigneur, un foudreur, enfin, c'est pas grave. Enfin, quelqu'un pour faire de la foudre, et normalement ça passe tout seul. Le truc c'est que si ça dure longtemps, il peut nous. Si on manque de MP, on est un peu dans le caca. Mais bon, ça devrait aller. C'est cette attaque qui est plus chiante. Alors j'ai pris. Comment? J'ai pris elle comme. Ah, attendez.
Je regarde si c'est pas un truc pour augmenter les stats ou un truc comme ça. C'est quoi ça? Je me rappelle plus ce que c'est. Alors. Ah mais y'avait pas. C'est pas là que j'avais fait mon gain de vie, si ouais. Ah mais le vent ça fait pas grand chose en fait. Alors attendez. Mais ouais. Hop. Juste pour voir. Hop. Pas mal. Vu qu'il craint pas les attaques. Oui j'ai pris comment elle s'appelle? Ouch. Ça c'est son attaque la plus puissante. Enfin vous avez remarqué. Super Megami, c'est un petit peu plus puissant, c'était un truc de Kiralex, je me rappelle bien. C'est une DS hein, Megami. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait avant? Je fais de la merde. Je sais pas ce que je m'enlève. Attendez. Bon, on est mal. Ouais, j'ai pas trop le choix là. Ça, il peut pas le faire, lui. Si, ouais. Voilà, pas d'MP. Soigner à chaque tour hein, par contre. Donc vous avez remarqué, je parle pas beaucoup dans cette vidéo, désolé. Hein. Je suis pas en super forme on va dire. Aïe. Ça va nous faire mal. Putain j'ai été sûr. Bon là on est mort. On est mort hein, je crois. Peut-être pas mort mais presque. Soigner. Là, je suis vraiment mal. Là. Aïe. Ouh. Et là, franchement, j'ai de la chance. Ah bah, tu m'étonnes qu'il gagne de niveau. Voilà. Et il est mort. On n'est pas oublié de réciter les autres. Ah merde. Ah bah non. C'est vrai qu'il se récite automatiquement quand on quitte le combat. Voilà. Eh ben, je vais vous laisser là. Et la prochaine fois, ben, on continue notre voyage en train pour aller voir le premier des divins là-dedans. Donc ouais, ben, après, une fois que j'aurai fini Sion, ben, je ferai... Enfin, fini Sion. J'aurai un peu avancé dans Sion, je ferai Silent, mon scénario préféré. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine. Allez, salut!